Eh bien, Coco. Il veut pas. Merde ! J'en ai cette commode ! Il va s'échapper ! Je m'en occupe, je suis sur le coup. Allez. Ça y est ! Vaincre la créature des neiges. Bonjour à tous et à toutes les amis, et bienvenue sur la suite de nos aventures sur Dead Space 3. Nous attaquons donc l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, hein, voilà, toujours accompagné de ma maman, hein, voilà. C'est une série que je réalise avec elle, et en plus on prend énormément de plaisir, donc c'est parfait. Du coup, coucou petite maman, comment vas-tu ? Coucou Maxou, coucou tout le monde. Écoutez, moi j'ai la patate, juste le temps qui me saoule un peu parce que froid chaud, chaud froid, quand il se décidera de ce qu'il veut faire, ça ira mieux. Et puis j'espère que vous êtes toutes prêtes à ce qu'on aille se faire botter le train arrière. Voilà. Ouais, et qu'on se fasse peur, et ce coup-ci on va pas faire de quêtes secondaires. Ouais, on va éviter. Ouais. On va rester sur la trame principale parce que honnêtement les quêtes secondaires pour le moment c'est pas terrible. Alors je sais pas si c'est la zone qui veut ça ou quoi, mais en attendant, ouais, voilà. On va dire qu'elles sont lèches. Du coup, en off, la dernière fois, on a profité de mettre à jour nos armures et nos armes, je crois. Il me semble, ouais, vite fait. Allez. Hey, Maxou qui s'énerve déjà, il casse tout. Ah, mais comme je disais la dernière fois, le problème avec les caisses, c'est qu'elle parle mal de ma mère à chaque fois, donc... Du coup, je leur casse la tronche, moi. Oh, yo. Parle bien de ma maman. D'abord. Hein. Ok. Ah bah, il y a l'établi juste ici. Sérieux? Oh, j'en ai marre de jeu, sérieux. Puis moi, comme je suis une poubelle et je ramasse tout ce qui traîne, bah voilà. Mais surtout que tu l'avais rangé la dernière fois, non? Ouais, mais bon, tu te fais quoi. Pas suffisamment. C'est cela. Du coup, on va se remettre quand même dans l'histoire parce que je sais même plus à quel objectif on était. Alors, les résultats de l'expérience sur le spécimen nous ont indiqué ce qui sera peut-être notre dernière destination, un site de recherche des colonies souveraines se trouvant au-dessus de nous. Le moyen le plus rapide de l'atteindre est d'escalader cette falaise, mais un seul faux pas pourrait tous nous tuer. Je devrais partir en éclaireur, il y a peut-être un moyen plus sûr pour Santos et Ellie d'arriver là-haut. Oui, c'est vrai qu'on avait donc fini... Oui, c'est vrai que le dernier épisode, on avait ouvert une larve géante. Et on était rentré dedans et on avait eu des informations, je ne sais plus sur quoi, sur un tracker ou autre. Il y avait l'autre salopio qui nous avait abandonné. Aussi. Tout ça par jalousie. Allez. Du coup, les amis. Oula. Au secours ! Aïe ! Ça commence bien. Maltraitance ? Vous m'avez ôté une sacrée épine du pied. Bien joué. Quoi ? Ah, oui, le voilà. L'anti-monolithe Isaac Clarke. En cet endroit. Le berceau du monolithe. En fait, j'avais presque du mal à croire à son existence. Mais grâce à votre ami Norton, je l'ai enfin trouvé. Alors ils nous ont suivis depuis le début. Oh ! Il est malin, celui-là. Tout ce qu'il veut, c'est Isaac. Nous pouvons partir, Carver. Espèce de sale connard. Hé ! Vous me tenez. Laissez-les partir. C'est une chose bien difficile que de réparer les dégâts de l'homme. Tout ce que nous touchons, nous finissons par le contaminer. Le monolithe avait un plan, mais nous avons souillé ce qu'il avait à nous offrir, en le pervertissant. Bon sang, mais quelle connerie ! J'ai passé toute ma vie à tenter de réparer les dégâts causés par l'homme. Je me suis attaqué aux recherches du gouvernement, j'ai libéré les monolithes de ces impurs centres d'expérimentation, et désormais, il ne me reste plus qu'un seul problème. Et c'est vous. Non. Vous me devez un vaisseau, Danik. N'oubliez pas. Ah oui, veuillez m'excuser. Malheureusement, je ne peux pas laisser un seul d'entre vous en vie. Pardon pour cette méprise, capitaine. Allez. Ça a marché. Là. Ah bah oui. Et ça part en combat de boss, c'est ça? Ah non.
Là, c'est moi où les voix étaient bizarres, comme étouffées. Couvrez Danik ! Il y en a trois ! Là-bas derrière ! Repli ! Non, d'accord, petite maman. Oula. Désolé, je suis concentré. Ah bah on l'a bien décongelé. Oh, on l'a bien décongelé le crustacé. Ah. On l'avait bien décongelé, je m'y attendais, hein, je l'avais dit. Hein. Aïe. Ah. Je me fais latter la bouche. Oula. Faut viser le ventre. Ah. Ah. Au secours. Ah, il veut m'aspirer. Non. Au secours. Ah. Au secours. Ah mais non, mais laissez-moi. Oula, je vais mourir. C'est bon. Je vais mieux. Fais gaffe à ta vie. Aïe. OK. Je suis pas du tout chaud. Ah bien, c'est chaud quoi. Aïe. Allez, allez. Aïe. Encore. Allez, vas-y. Montre-nous ton cœur. Attaque le cœur, attaque les mignons. Ah. Visez la bouche. Voilà. Alors qu'on le sait, il va pas nous aspirer pendant 10 ans. Aïe. Lieu. Voilà. Allez, montre-nous tes points faibles. Malandrin. Ah, il veut pas, hein. Êtes sûr que vous visez les points jaunes ? Oui ! Ça sert à rien ! On fait que chatouiller ! Ah, mais carrément ! Ça marche ! Allez ! Ah non ! Punaise ! Allez ! Ah, ça marche bien de viser la bouche. Allez ! T'as ton fusil à pompe, il l'a balancé. Ah oui, mais je me prends une mandibule dans la tronche pendant que je vise le... les mobs. Allez! Ah là, j'ai éliminé les œufs, on devrait être tranquille. On peut s'attaquer au cœur. Allez! Ah mince! J'ai pas vu qu'il y avait des... il a reposé des œufs entre temps. Ah non 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 non. Eh, je crois qu'il m'a mangé. C'est fini ? Ou je suis dans son estomac maintenant ? Oh ? Ah non, je crois d'accord que c'était obligatoire en fait. C'est ça. On s'est battu pour rien, je crois. À moins que ce soit... une cinématique de mort. Ça va être mon film préféré, Les Gardiens de la Galaxie. Il va falloir le buter de l'intérieur. Ouais, je crois que c'est ça le délire. T'as vu, je t'avais dit hein, qu'on le décongelait pas pour rien ce truc. Hein. Et ça allait mal. Je t'avais dit dans l'épisode précédent qu'on allait pas le décongeler pour rien ce truc et qu'il allait finir par. Par nous attaquer. Hein. Je l'avais dit, hein. Je le sentais bien comme ça. Hein. Allez. Ah, punaise. On va les avoir. Alors, moi depuis tout à l'heure... Ah, ma vie.
ma vie. Ah oui, mais je peux pas viser partout à la fois. Une tentacule, j'en ai une. Ah non, j'ai cru que j'en avais une deuxième. Ah, ah, ah. Vous avez débloqué le problème de digestion. Il gagne un succès. Et c'est Stargate, les amis. Ah, il nous a vomi. Ça, c'est dégueu. Il n'a pas aimé. Aïe. Oh, la violence de ce combat. C'est pas mal, par contre. Aïe. Vous rendez l'autre personnage, oui. Vous nous avez fait descendre jusqu'ici. Vous l'avez soutenu. Qu'est-ce qu'on fait là? Entre Danik qui nous tire dessus et ce truc à vomir, c'est quoi votre plan? Vous êtes un traître! Non, je suis son sauveur. C'est vous le vrai problème ici, Clark. Mais c'est fini. Capitaine, bougez pas, sergent! Tout ça, c'est votre faute! Il va pas bien, lui. Voilà. Ça, c'est fait. Non, mais oh. Suffit maintenant. Oh merde. Oh merde. Venez. Il va pas rester mort, pas dans le coin. Qu'est-ce que je vais dire à Ellie? Eh, dites la vérité. On y va. J'espère que j'ai pas fait le mauvais choix, parce que c'est moi qui l'ai tué. D'accord. Si ça se trouve, on avait le choix de pas le tuer. Oh, je pense pas. Je récupère la photo de ma femme, ça te dérange pas? C'est ça. Toi aussi, t'as vu un truc voler derrière moi? Ah oui, bah oui, c'est son cadavre qui a volé. M'a fait peur. Alors désolé pendant les combats si je te réponds pas, mais je t'entends pas, le bruit des combats me cache ta voix. D'accord. Donc désolé. Ah, en plus tu dois avoir de la musique, moi j'ai coupé les musiques, donc du coup j'ai pas de musique dans le jeu. C'est ça, moi j'ai tout à fond quoi, donc Ah, j'entends un beeper. Ah bon? Ah oui, t'as raison. Ah, épisode 13, vers les étoiles, falaise de Volantis, les amis. Bon, on commence fort avec un combat de boss. Hein. J'en étais sûr hein, que ce truc, on allait l'affronter quand on allait le décongeler. Hein. Je te l'avais pas dit. Je t'avais dit que je sentais le combat de boss contre la larve géante qu'on décongelait. Et depuis le début. Hein. Depuis le début, je le sentais comme ça. Hein. Alors, correctement. On n'a pas les mêmes emplacements, j'ai l'impression. Ouais. Alors, du coup, chaque on va fois, où c'est différent. Alors, on retourne à la CAF, apparemment. Oh, décidément, on est abonné, hein. Ah, j'ai trouvé une clé, peut-être. Un document de Griffou Un. Ouais, c'est ça. Ou c'était une clé? Ah, il me propose pas de le lire. Ouais. Donc, il faut que. Je vais voir ça. Putain, mais ça tremble, c'est horrible. Ouais, non, j'ai pas de document, j'ai pas l'impression. Alors, il y avait une porte, mais à mon avis, elle est fermée. Ou pas, c'est pas je, du coup, je sais pas où on doit aller. D'accord, donc le jeu nous dit d'aller vers là-bas. C'est ça. Mais il y a. On va fouiller le. Okay. L'avant-poste qui est ici. Je crois que c'est juste un avant-poste. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a de quoi déposer son stock et compagnie. Hop, on allume le générateur. Voilà. Allume-toi. Ouais, t'as des trucs à déposer? Non. Pourquoi okay. J'arrive pas à me soigner? Il faut que tu ouvres son inventaire et que tu fasses soin, logiquement, si t'as ce qu'il faut. Ouais, non, mais ça fait deux que je prends et ça remonte pas. D'accord. C'était peut-être des petits kits de soins, non? Ah, ça fait trois gros que je prends, j'ai pas remonté une barre. Oh là, ça sent le bug, hein. Ouais. À moins que ça soit programmé comme ça. Ouais. Pour cet épisode. Je pense que je vais mourir. Donc, soit il y a un bug, va dans ton stock pour voir, peut-être que ça va te débugger. Est-ce qu'on a un problème technique ou pas? C'est les aléas du direct, les amis. Ce sont les aléas du direct.
À mon avis, c'est... Si t'arrives pas à remonter... Je pense que c'est mis dedans, hein. Ouais, ouais. Bah écoute, on va continuer, c'est pas grave. C'est dit que je dois mourir. Mais non. Allez, avançons. Tiens, les aventures Dead Space sont vraiment sympas. Ouais, il y a un camp ici avec des gens. Peut-être que Ellie va te soigner, justement. Ah, pas bête. Isaac. Où est Robert? Il est... Je l'ai tué, Ellie. Quoi? Pardonne-moi. J'ai pas eu le choix. Norton nous a trahis, Ellie. Il était prêt à nous tuer. Isaac a fait le nécessaire pour sauver la mission. Je... Ah, allez! Il faut pas rester là. Ah, nous ne sommes plus que quatre à présent. Je peux pas continuer. Alors on va vous laisser là. Si vous tenez pas le coup, vous devenez un danger pour nous. Vous êtes répugnants. On ne va laisser tomber personne. Ouais, bataille de boule de neige. C'est ça. Allons-y. Escaladons cette montagne. Tous ensemble. Tous ensemble. Le mec, bon, j'ai peut-être été entre un peu trop enthousiaste. Tous ensemble. Il est sympa, le copain, il nous soutient, quoi. Bah oui, mais en même temps, c'est vrai. Et il nous a dénoncé apparemment aux méchants de l'histoire, hein, parce qu'on s'est fait capturer à cause de lui, apparemment. Derrière... on a failli, t'as vu, on manque de se faire dévorer par la créature, à peine recraché par la créature, l'autre il nous pointe une arme sur le nez quoi, enfin, et arrive vraiment, calme-toi quoi. On est bien d'accord. Bah du coup on a deux leviers activés. Quand t'es prêt tu me le dis. Prête. Let's go. Il faut maintenir. Oh, c'est un lance-grappin. Oui. Oula. Ok. Ça va être le jeu de j'évite les cailloux. On risque de déclencher une avalanche si on monte tous. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais monter en premier pour voir. Il y a peut-être un autre chemin. Oula. Oula. Ah. J'ai pris un caillou sur la tronche. Ah, ça se passe bien pour le moment. Ça se passe bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ah, mais c'est ça. Allez, pousse. Ushuaïa. Ah, d'accord, c'était pas fini. Moi, j'ai cru que ça y est, c'était. On est en haut, ça y est, tout est bon. Eh ben non. Prêt. Allez, let's go. Allez. Du coup les amis, j'espère que vous appréciez ce début d'épisode mouvementé. Là, ça commence fort, on peut le dire. Oula, oula. Oula. Ah mais pourquoi t'as sauté? Je t'ai dit de sauter sur la gauche, pas sur le... en haut. Je me suis pris un gros caillou dans la tronche du coup. Ça va de ton côté? Je te vois. Moi aussi j'arrive en haut. Ya. Yeah. Eh, on est arrivé. Ouais. Eh ben voilà. On dirait bien, ce coup-ci. Ce fut dur, mais ce fut bien. Ah, c'est ça. Moi je m'attendais, ils auraient pu faire quand même quelque chose d'un peu plus violent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah non, t'es pas d'accord, petite maman? Ah oui, carrément, parce que là, enfin bon... T'avais trois cailloux à éviter au total. Hein. Ouais, mais c'est qu'on a l'habitude aussi, mais voilà quoi. Ouais, pas vraiment. Puis on devait arriver là, à mon avis. Oui, tout à fait. Bon, moi j'arrive toujours pas à me soigner, alors écoutez. Hein. Là, je sais pas si c'est écrit dans le scénario ou quoi, mais. C'est ça. Il répond. Norton pointait son arme sur moi. Désolé. C'est censé me réconforter. T'as jamais cru en moi, en la mission, en nous. J'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour m'aider, et il est mort. T'as tout gâché. Comme tu l'as toujours fait. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est vraiment ce que tu penses? Oui. S'ils t'ont braqué une arme sur la tempe, c'était pour te convaincre de venir. Je suis pas venu, juste pour éviter de prendre une balle. C'était aussi pour en coller une dans la tête de Norton. Là, je me demande si j'avais le choix. Du coup, ça se trouve, j'aurais pas dû tirer. Pétasse. J'aurais peut-être pas dû tirer. Attends, moi, je me tiens le côté quand je marche. Je suis vraiment blessé. Ah ouais, tout à fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû tirer au final. J'ai peut-être fait une connerie. C'est peut-être un choix dans le jeu. Hein. N'hésitez pas à nous le dire. On leur fera, hein. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si on avait le choix de pas tirer ou pas pour ceux qui connaissent le jeu. Attends-moi! Il y a une caverne. Ah non, il y a rien. N'hésitez pas à nous le dire si on avait le choix. Désolé, je suis trop blessé, je me traîne. Ah ouais, mais j'ai vu ça tout à l'heure quand j'étais blessé, je me traînais mais à fond quoi. Même en courant au max quoi. Allez. Deliki, Nezi. Hop là. Oh, tout ça pour une micro-échelle, je Ah oui, d'accord. Bon, il faut que tu montes. Faut que je te la tienne apparemment. Tu vas te calmer tout de suite. Ah. Et ça commence sur... On commence avec des jeux de mots pourris. Apparemment, faut que je te la tienne. La tienne est tienne. Alors, j'aime pas ce bruit, j'entends un schling schling au loin. Un petit coup de télékinésie, toi qui lattes le truc. De quoi? Un schling schling au loin. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours pas te soigner. Tu veux que je t'envoie un kit de soins? Je vais dire ça dans deux secondes. Alors, je t'envoie un kit de soins. Non. Bah je t'ai fait un don quand même, voilà. T'as gagné un kit de soins gratos. Merci. Monsieur est trop bon. Pour tous ceux que t'as gâché. J'espère que c'est pas un bug en tout cas. Oula. Oh bah j'ai pas rêvé, y'a bien un truc qui fait ch'ting ch'ting. Ah, méca charognard qui est à l'établi. Et viens là toi. Désolé. Tout son cœur. C'est un monsieur qui frappe. Ouais, enfin c'est pas un monsieur. Hein. Il est un peu tout pourri le monsieur. Ouais, il a mis un coup dans sa tête. Vous avez vu? C'était stylé. Ah! Il a buté! Ah! On est encerclé! C'est une embuscade! Au secours! J'avais pas vu. Mais meurs. Mais meurs. Ah mais y'en a encore. On va y arriver hein. On va y arriver. Oh là là, je te jure. Ils vont se calmer hein. C'est vrai qu'on a la stase. Tu sais que j'y pense jamais à la stase. Sérieux? La même, je te rassure. J'y pense à chaque fois à la stase, mais trop tard, quoi. Voilà, ça, on est encore au début d'épisode, donc on est tranquille. Bon, je crois que j'ai tout ramassé, perso. Je crois la même, mais bon. Eh ben, continuons, continuons. Ah! Punaise. Oh oui, mon cerveau a mis 3 secondes à réagir. J'ai pas dormi de la nuit, donc je suis au ralenti aujourd'hui. Ah oh là, là, je vous jure. Ah, ça bouge. Bah c'est une tente, c'est normal. Ah, c'est la tente de la CAF. C'est une tente de la CAF.
Et oui, parce que la CAF fait camping aussi maintenant, du coup. Si vous voulez, vous pouvez donc prendre des petites parcelles à louer comme ça par la CAF et vous posez votre tente et tout ça. Enfin, c'est assez sympa. Les vacances à la CAF. Voilà. C'est les vacances à la CAF. Ils vous fournissent une petite. Ils ne donnent plus de tickets pour partir en vacances, ils te donnent carrément le, la tente et l'emplacement juste devant la CAF. Oh mon dieu, on va arrêter nos conneries parce que là ça le fait plus. Ah. Désolé, désolé, les gens, je suis blessé. Je crois que j'ai pris une balle dans le cerveau. C'est ça. La CAF maintenant qui te loue des emplacements de camping. Vous avez votre tente ou vous voulez en louer une? Ah. Avant il y avait les tickets resto, maintenant il y a les tickets toile de tente. C'est ça. Alors, bon, au lieu de dire des bêtises, ouais c'est bon, je suis sur la bonne route. Ok, là on est derrière. Tant qu'on s'en prend plein la tronche, c'est qu'on est sur la bonne route. C'est ça, c'est totalement ça en plus. Donc tu vois des mobs sortir de terre et te marave la tronche, c'est que t'es sur la bonne route. Continue comme ça. On est au bout du tunnel. Moi, je suis au bout de ma vie. Sauvegarde de la progression. Ça sent pas bon. Ah, quand tu vois un truc tout défoncé comme ça et une sauvegarde avant, c'est rassurant. C'est ça. Oh là là, je te jure. Les gars, j'ai trouvé un monte charge. Et il est pris dans la falaise. Je vais essayer de le débloquer. Ellie, tu m'entends? Oui, on le voit. Viens, Ellie. Ok, elle nous tire la gueule définitivement. Ah bah elle fait son travail quand même, hein. Faut pas déconner quoi. Ah bah elle nous a même pas parlé là. Hein. C'est sa copine qui nous a dit. Ah, attends, il y a une. J'arrive pas à l'attraper. Maintenir. Allez. Et on fait tourner les manivelles. Pour bouger les montres charges. Oula. Ellie, tu la vois? Ellie! Attention, on saute! Vite, derrière moi! Ellie! Ellie! Ok. Nouvel objectif, localiser les commandes de l'ascenseur. Ouais, carrément. Ouh, des kits de soins. Ok, bah on continue sur notre trajectoire du coup. On n'a rien oublié derrière, c'est bon. Ça n'a pas l'air. Semble pas. Ouais, non, c'est bon. On a ramassé le cadavre. De quoi? Ah, allons ramasser le cadavre d'Ellie et de la copine, c'est ça? C'est pas grave, mon fils, c'est ramé une fois que t'auras dormi. Hein? Quoi? Oui, ok. Couché. Vilain. Ils étaient pas que deux. Ils étaient pas que deux pour faire un bordel pareil ici. Ici. Roulade. Ah. Voilà. Non. Aïe. Dans le dos. Non, sur ma tête, dans le dos, derrière nous. Sur le côté, derrière, au-dessus. Non mais jamais, il meurt. Ah mais embuscade. Alors j'aime bien parce qu'il y en a certains qui meurent en deux coups et d'autres où il faut vider trois chargeurs dessus quoi. Je sais pas si ça t'a fait la même mais... Ah. Aïe. Vilaine. Quand ils sont morts, je tire encore. Ouais, moi je leur mets des coups de pied. Mais je suis trop faible. N'empêche que depuis tout à l'heure, tu te prends des coups, mais t'as l'air invulnérable. Hein. Ouais, ça doit être vraiment marqué dans le scénario, je pense. Je pense. Hein. Je pense. À moins que c'est bien buggé. Roulade. Pour quelle raison, je sais pas. Hein? Je disais roulade. Pour quelle raison, je sais pas. Parce que t'avais envie. Hop.
C'est une bonne excuse, non? Regarde, 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 maman, je sais faire des roulades. C'est bien, mon fils, un jour tu seras grand. Je pense que c'est par là. Ouais. Explorons cette caverne obscure avec plein de trous partout. Ah bah, on est reparti pour une session escalade, je crois. Je pense même pas que je crois, c'est sûr. Oh, il y a un truc qui brille là-haut. Roulade. Pour l'occasion. renfort de munitions. Renfort de munitions, j'allais dire renfort de munitions, pas du tout. J'ai looté le truc sans faire exprès. Bon bah... Continuons notre ascension, du coup. Ascension, ascension. Ascension, ascension, ascension. Oh pardon mes amis. On pardonne plus maintenant. Ouais. Je sens qu'on va s'en prendre sur la tronche. Ah. C'est bon. Ah mais je me suis pris les munitions dans la boue. Enfin ouais je me suis pris. Ah. M'attendez pas à me prendre de la caillasse dans la tronche par contre. Ah. Heure. Ah mais. Quand on tue un, il y en a un deuxième. Et un troisième. Eh, c'est mon côté. C'est mon côté. Ah, je vais me prendre un caillou dans la tronche. C'est moi. Ah. Change de côté. Isaac. Campement gelé. Tout va bien. Il est parti. Oh, Dieu merci. Dis. Pour Robert. Je vois vraiment pas pourquoi il aurait voulu te tuer. Il m'accusait de tous nos problèmes. Il voulait rentrer chez lui. Et moi, j'insistais pour rester. Mais la mission compte plus que tout. Je pensais qu'il en était conscient. Oui. Je suis là, moi. Pour de bon. Cette petite phrase en mode « Hey, je suis là. Et je suis encore en vie, hein. Si t'as envie qu'on se remette ensemble. » Peut-être sur mon épaule, ça va aller mieux. C'est ça. Bon, apparemment, elle commence à changer d'avis tout doucement. Bah, elle commence à comprendre, je pense, mais bon. Si elle analyse un peu, elle verra qu'il était pourri, de toute façon. Ah bah, surtout, sauvegarde, elle pourra... Eh, ça y va, la sauvegarde, hein, sur cette partie. Ouais, bah oui. Surtout que depuis le début, il nous fait des coups de pute, hein, ce mec, quand même. Hein. Il nous a bloqués, il nous a coincés dans l'ascenseur. Ouais, mais il est pas au courant de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais, on... Il nous a fait ses crises de jalousie. Enfin, elle est pas au courant, je rappelle quand même, dans le dernier épisode, hein, quand même, il nous a fait le coup de... Hey, Ellie, je t'aime. Je t'aime, Ellie. Oui. Là, j'entends le bip encore, mais on a plus le Razmoket, on l'a pas récupéré. Moi, j'en ai encore un. J'en ai deux, logiquement. Ah ouais. Par contre, là, ce coup-ci, si on entend encore un autre bip, on l'a dans l'os, quoi. À partir de maintenant. Par contre, il faut que je me débarrasse du lance-harpon, là. Que je chope que je remette mon fusil à pompe. Ouais, je peux. Ah, c'est ici. Parce que du coup, on nous a, dans l'épisode précédent, on nous a remplacé donc notre arme secondaire par le lance-harpon qui était obligatoire pour la mission. Oui, exact. Et du coup, j'ai plus mon fusil à pompe en arme secondaire. Et puis tout à l'heure, j'ai voulu, quand j'étais sur le boss, j'ai voulu changer d'arme. D'un coup, je me suis dit, mais c'est avec quoi je tire là depuis tout à l'heure? Ça a l'air de lancer des flèches. Et j'ai fait, mince, le lance-harpon. J'ai pas. Eh bien, j'ai mon rogobu qui va dans un sens, l'autre qui va dans un autre. Complètement à l'envers, les bestiaux. Plus tout à l'heure, on avait accès au stockage, j'y ai même pas pensé, figure-toi, de changer d'arme. Ah bah oui. Nul. Ouh. C'est pas grave. Je me satisfais de mon cutter plasma qui est assez puissant. C'est ça. Alors, ces couloirs, c'est très sombre. Toi aussi, t'entends quelqu'un respirer au fond. Non. T'entends. Moi, j'ai la musique qui me gâche tout, quoi. Ah, t'as de la. Oui, ouais, bah moi, j'ai pas de musique du coup. Bah non, j'entends. Ah.
Ah, derrière nous. Ah, punaise, aïe. Ah. Faut les mâcher, ils souffrent. Faut les achever, ils souffrent. C'est quoi cette bestiole qui explose? C'est les bestioles avec les sacs jaunes. On les avait rencontrés dans la mission scientifique de la quête secondaire, là. Je sais pas si tu te souviens. Vaguement. Que d'ailleurs, ça nous avait fait énormément rigoler parce qu'ils faisaient des bruits horribles. Ah oui, ça, je m'en souviens, par contre. Ah, bah, c'est les mêmes. On aura, du coup, on a un lit de camp version CAF ici. En fait, t'as la toile de tente d'un côté, le lit de camp de l'autre. À toi de non, c'est une luge de la CAF ici, de ce côté, avec la tente dessus. Voilà, t'as une luge de la CAF. Parce que la CAF fait des forfaits ski aussi maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Forfait ski spécial CAF. On vous loue les skis et la tente et la luge. Sponsorisé par la CAF. Cette vidéo est donc sponsorisée par la CAF, j'imagine. Ce sponsor de fou. C'est ça, personne n'en a un, comme ça. Ah non, clairement. Oh mince. Cette vidéo est donc sponsorisée par la CAF. Prenez un forfait à la CAF et deux vous en sera offert avec le code promo. The Max Gaming Show CAF. Oh mon Dieu. Oh punaise. Il y en a qui vont s'inscrire croyant qu'il y a un bonus à la CAF, c'est tout sur ton site. Alors Rafi, avec un code promo vous pouvez avoir donc une CMU. Oh je suis désolé les amis, on part carrément en sucette. Vous pouvez avoir donc une CMU avec le code promo The Max Gaming Show. Une complémentaire mutuelle. Oh, oh mon Dieu. Oh mince. Je rassure les gens, c'est une blague, n'y allez pas. Oh punaise, oh, j'en ai mal à la mâchoire du coup. Ah, c'est ça quoi. La fatigue, ça fait dire vraiment des conneries. Du coup, on a looté un artefact du docteur Ramsey Bergerac. Les soldats du camp l'appellent Sasquatch, comme s'il s'agissait d'un yéti d'un nouveau genre. Les témoignages recueillis parlent d'une créature comparable à celle que nous avons trouvée dans les glaces du site de fouille numéro 1, ou à celle que nous reconstituons au site numéro 2. Il s'agit d'une sorte de crustacé, moi tout à l'heure qui faisait des blagues sur les crustacés décongelés, que l'on s'attendrait plus à trouver donc au fond des océans plutôt que dans la neige. Le fait qu'il ait survécu fait état d'une résistance à toute épreuve. Je dois l'étudier de plus près pour en savoir plus. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'imagine le mec qui se prend qui va à la CAF. J'ai un code The Max Gaming Show CAF. Oh, laisse tomber. Je te retrouve avec des emmerdes, tu sais pas pourquoi. C'est ça. Et comment ça, c'est quoi cette histoire? Bah, j'ai suivi un youtubeur, à ce qui paraît, il est sponsorisé par la CAF. Il m'a dit de venir chez vous. Avec le code, et ça me permettait d'avoir donc une CMU. Je crois que ça tourne en rond, Max. Ouais, carrément. Comme cette blague d'ailleurs. Oh, laisse tomber quoi. Pour ça, je préviens bien les gens que c'est une vanne. N'allez pas faire des conneries. Oh, ouais, quand même. De toute façon, ça serait si la CAF faisait des sponsors sur YouTube. Ah, on sait jamais, ils font plein de nouveautés à la CAF. J'ai trouvé une plateforme, mais pas de treuil. Ça va en bas? Ça va. On est à la cage. Quoi, n'est vraiment pas tranquille. Pourvu que je trouve un treuil. Isaac, fais attention à toi. J'ai pas envie de te perdre le même jour que Robert, d'accord? Oh. D'accord, Ellie. Elle est retombée amoureuse, ça y est. C'est mignon. Max, un établi? Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire, mais c'est quoi cet établi au bord d'une falaise d'or sous moins 40? Oh là, c'est un tough à neuneux, là, en plus. Ouais, carrément. Or, tu dis que je maltraite aucune... Je vais mettre au début de la vidéo, aucune caisse n'a été maltraitée pendant ce tournage. Tu dis que je maltraite tes caisses, hein, mais justement, toi aussi, hein, je t'ai vu. Hein. Du coup, les amis, comme d'hab, hop, on fait une petite pause établie, on vous reprend après. Et nous revoilà les amis, avec un fusil à pompe. Et mes mécas charognards. Ah, attendez,
Ils m'ont dit que j'ai un méca charognard. Ah non, c'est bon, je les ai récupérés. C'est le message que j'ai juste en retard. C'était écrit méca charognard en attente dans l'établi. Je fais, mais je les ai pas récupérés. Du coup, c'est pas par là, c'est par là-bas. En tout cas, cet épisode est plutôt pas mal entre l'escalade, le petit boss au départ. Les sponsors de la CAF. Les sponsors de la CAF. Ah non, moi j'ai pas les musiques, du coup je rajoute des musiques au montage sans copyright. Et ouais, du coup j'ai. Toutes les musiques sont coupées c'est de mon côté. Qui délire, c'est l'autre. Ah bah carrément. Toutes les musiques sont coupées de mon côté en fait. Comme ça, je joue pas à la roulette russe du copyright de la musique. Parce que oui, tout à fait. Des fois sur une partie, tu vas avoir deux ou trois musiques qui vont passer. Et une copyrighté, et donc du coup tu l'as dans l'os quoi. C'est ça. Allez, let's go. Donc du coup, bah autant couper toutes les musiques et les remplacer par d'autres. C'est un peu dommage, mais d'accord. Voilà quoi. Tu veux pas avoir d'ennui, le problème de copyright, c'est le mieux. Ah, j'arrive de ton côté. Je suis pas sûr que j'ai bien fait. Visez, appuyez sur pour rot. Ah. Ah oui, mais si on joue à ça, c'est pas cool. Ah. Faut s'amuser à ralentir les... Ah. Ah oui, mais non. Mais à quel jeu vous jouez? Ah. Ah, il y a des pierres. Ah, bah je suis mort. J'ai pas compris pourquoi. Ah, si tu te colles trop près, en fait, il y a des... c'est un peu nul, je trouve. Littéralement, en fait, c'est il y a une cage autour de la cage qui, si à peine tu les fleurs, tu meurs en one shot. Allez, let's go! Et on est parti! Et tournez manège! Eh, bien joué! Merde! Je t'ai mis encore une face dans les fesses, désolé. Allez, 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 on peut le faire. On peut le faire, j'ai plus accès à l'ascenseur. Si. Allez, allez, on monte. Ah non. Et pourquoi je me suis retrouvé de l'autre côté? Non mais le jeu veut me tuer, je crois. Sauvegarde de la progression. Attendez-moi. Je peux plus grimper. Je grimpe au ralenti, je sais pas ce qui m'arrive. Au secours. Il m'est arrivé tout à l'heure où j'arrivais plus, je sais pas, il me balançait de droite de gauche. Eh, hey, ta vie est remontée. Tu peux peut-être te soigner maintenant, ça se trouve, t'étais vraiment bugué. Ouais. T'as plus de vie que tout à l'heure. Ah oui, bien joué. Je réagis pas tout de suite, hein, bon, bruit. Ça y est, t'as pris le coup, hein. Ouais. Ah, attention en face. Aïe. Mais aïe. Oh, ça suffit maintenant. Hein. Voilà. Oh yo. Ah mais il me crache dessus. Mais. Oh oui, il a qu'à s'envoler. Des hommes des cavernes, glacés, hein, surgelés. C'est des Mister Freeze. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit comme fille. Bon les amis, encore une fois, j'espère que vous appréciez cet épisode en famille, que vous passez un bon moment en notre compagnie. Honnêtement, moi je trouve que cette partie a bien commencé. Combat de boss, du blabla, de la trahison, de l'amour, de la romance. Du suspense. Des petits robots avec des lampes frontales, trop mignon. Je suis tout à fait d'accord. Ça y est, je peux me soigner, donc bah, j'avais peut-être une punition, je sais pas. Non, à mon avis, le jeu avait bugué tout à l'heure après la scène cinématique. C'est génial parce que le jeu, du coup, t'as fait gâcher 10 tonnes de kits de soins pour rien, quoi.
pas grave, ça me fait de la place. Bon, c'est pas... En même temps, dans l'épisode précédent, on disait quoi, hein? On disait, ouais, de toute façon, le jeu nous fournit à 10 tonnes de kits de soins, donc... c'est bon. Va falloir que je te la tienne encore. Tu vas où? De quoi? Va falloir que je te la tienne encore. Tu vas te calmer. Ça suffit maintenant. T'as loupé des loots. Comme ça, je t'ai élevé. Comment tu parles à ta mère, toi, Noméo? Ouais, mais si je peux tenir quelque chose à ma mère, est-ce que c'est ma mère ou est-ce que je dois l'appeler papa? Oh mon dieu, sortez-moi de là. T'es une célébrité. Hop. À côté, c'est pas dedans. Dedans, ouais, c'est pas dessus. Allez, je te la tiens. Attrape ma main. Et prends la mienne. J'ai trouvé le treuil. Et moi je te la tire. Je vais le démarrer. C'est ça. Alors, on va fouiller avant de tirer le treuil. Quand il est chiant cet effet de tremblement là, qu'ils mettent presque sans arrêt. Dit qu'il y a du vent. Là, si tu l'as, hein, mais moi ça me fait des tremblements d'écran, je trouve non, ça... pas beaucoup. Je trouve ça désagréable personnellement. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre, hein. On n'a pas le choix. J'ai rien trouvé du tout. Allez, c'est parti. Débarque, Coco. Accrochez-vous bien. Attendez, j'aime pas ça. Parlez-moi, concentrez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, maintenant nous savons que si nous voulons arrêter la machine, il nous faut une clé. Les chercheurs l'appelaient le Codex. D'accord. Alors, c'est par où? Il faut le construire. Et comment on va faire? Comme ils l'ont fait il y a plus de 200 ans, grâce à Rosetta. Oh mon dieu! Pas de panique! C'est juste un fusible. Je vais utiliser l'énergie des lumières. Ok. Rosetta, c'est quoi? C'est un petit cochon? C'est de la rosette? C'est bon ça? Rosetta. J'ai la dalle. Rosetta, viens ici! Les bons amis, qu'est-ce que vous en pensez? Un bon sandwich saucisson, beurre, cornichon, c'est bon ça. Bon, si on commence à parler bouffe, parlons sérieusement. De quoi? Si on commence à parler bouffe, parlons sérieusement, on fait une pause. C'est ça. Alors moi j'ai une bonne recette de poulet. Oh mon dieu. Allez, j'ouvre la boîtier de fusible. Allez, parlez-moi un peu de Rosetta. Eh ben, on sait pas grand-chose. En tout cas, ses recherches ont abouti au Codex. Et il se trouve où? Dans les installations en haut de cette montagne. Bien. Eh, on y est presque. Bon. J'ai toujours dit qu'on aurait dû faire une chaîne... Aïe. Une chaîne cuisine. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Aïe. Ah, le mec, il est branché, quoi. C'est ça. Aïe. Ah, ça pique. C'est ça. Aïe. Oui, on va faire... Bon, je te laisserai jamais mettre les mains dans mon compteur électrique. Un de ces quatre, on va faire un épisode cuisine. Aujourd'hui, on fait une tartiflette. On fera un gâteau magique, on fera un phare breton. Alors, bonne mère, aujourd'hui, on va faire une tartiflette. On est parti. Alors, du coup... Prenez 500 grammes de bon fromage qui colle au plafond. Si vous voulez voir qui colle au plafond, vous le jetez et vous regardez s'il redescend. Ah là là. S'il redescend pas, vous prenez une grosse... Bah alors, une grosse spatule. Ça sent que t'as mangé de la tartiflette. Ouais. Sac à dos. C'est terrible. Comment? J'ai pleuré tout le chemin. Par pitié, posez-moi sur la terre ferme. Santos, Carver, aidez-moi. C'est trop lourd. Non, je la tiens. Zach, ne tenez pas. Par pitié, aidez-moi. Isaac. La falaise va finir par s'effondrer sur nous. Non, je peux l'aider. Là, attrapez le treuil. Santos, donnez-moi votre main. Isaac, c'est trop tard, là. Saute. Tenez.
Carver, non! Non! Ah, ça, c'est pas cool. Ouais, carrément. Je la tenais! Putain de merde! Je la tenais! On allait tous être emportés avec elle! Isaac, la falaise va s'écrouler! Allez, vite, donnez-moi la main! J'avais promis! J'aurais pu l'atteindre! Si seulement j'avais eu le temps! Mais tu l'as pas, alors pars-toi! Et on va la rejoindre. Voilà. C'est ça, on va la rejoindre. En même temps, qu'est-ce qu'elle a glandé pendant 10 ans dans l'ascenseur, quoi. Je sais pas, tu prends ton sac à dos et tu dégages, surtout quand l'ascenseur est aussi bancal, quoi. Elle a mis 3 semaines à récupérer son sac à dos et des affaires qu'elle avait par terre. C'est ça, quoi. Isaac! Elle est partie, Ellie. Isaac, cette chose emportait toute la falaise. Tu pouvais rien faire. Tu peux remonter, là? Ouais. Je vais essayer par le côté. C'est de ta faute si on en est là. Alors c'est pas grave qu'on ait laissé mourir la meuf, mais par contre pour son mec, non. Ouais, carrément pas. Ouais. Et on est reparti pour de l'escalade apparemment. Ah c'est terrible. Bon, on aura passé ce feuilleton entier à escalader les murs. Ah hein. J'ai rien dit. C'est le retour de l'araignée. Ah, montre-nous tes points faibles. Ah mais oui, mais non. Ah mais punaise, je vais jamais dire, je vais pas réussir à m'en sortir. Hé hey, servez-vous de ce générateur pour activer les harpons. Alors servez-vous de ce générateur pour activer les harpons. Et quel... Ah mais... Ah bah, t'es morte. Ah bah ça fait deux coups qu'elle me met dans la bouche, mais méchant quoi. Allez, on va la voir ce coup-ci. On a toutes les bonnes techniques. On a toutes les bonnes techniques. Je te demandais, c'est comment pour les figer? Ah bah je sais pas, je joue à la manette donc... Logiquement, tu vises et t'appuies sur une touche. Comme pour la télékinésie. Ah, la roulade qui marche... qui se loupe. Ah oh bah oui, mais je me fais violer. Je me fais violer à peine arrivé. Allez, faut la tirer au fond. Hé hey, servez-vous de ce générateur pour activer les harpons. Ah. Les harpons sont activés, très bon. Ah, tout à l'heure, moi j'ai cru que c'était l'harpon d'escalade. Je vais attirer cet enfoiré vers les lasers. Régénère ta vie. Eh bien, Coco. Il peut pas. Allez. Tournez cette commande. Il va s'échapper. Je m'en occupe. Je suis sur le coup. Allez. Ça y est. Vaincre la créature des neiges. Et boum. Meurs toi. GG à toi. Voilà, on l'a eu. Non, tu l'as eu. On l'a eu. Tu l'as eu. C'était un travail d'équipe parce que t'as tué les monstres pendant que je tournais la manivelle. J'ai fait que courir pour tuer les monstres, c'est tout. Parce que si t'aurais pas tué les monstres, ils seraient venus m'attaquer. Et s'ils seraient venus m'attaquer, du coup, ça m'aurait coupé dans mon élan. Mais alors aussi, j'essayais de les tuer, mais avec le truc laser, là, ça allait pas. Il fallait prendre la pompeuse. Ah bah, moi, depuis tout à l'heure, je suis à la pompeuse. Pour les exploser. Pas le choix, ils sont tellement violents. Bon, bah voilà. Ah, tout à l'heure, on s'est mélangé en fait. On a cru que c'était les harpons d'escalade en fait que le générateur alimentait, mais pas du tout les harpons. Bah, en fait, t'avais un générateur ici à allumer pour alimenter ces gros harpons sur le côté en fait. Ouais, t'en as deux. D'accord, moi depuis tout à l'heure, je comprenais à l'autre. Moi, oh, oui, d'accord, j'ai vraiment rien compris. Donc, t'allumais le générateur, tac, ça allumait les harpons. Avec les harpons, quand le boss était au milieu, du coup, bah, bam, il se retrouvait figé. Et de là, ensuite, fallait aller à la commande ici, tourner la manivelle qui est là, pour ensuite le découper en deux, en fait. Pour que les harpons tirent de chaque côté, pour le couper. Ça me rappelle quelqu'un qui nous est proche, qui a horreur de ça aussi, mais c'est comme moi, toi. Ah! Ok, t'as qu'à t'envoler. Oui! Allez. Je sais pas sur quoi tu tires parce que moi je vois rien. D'accord.
je pense qu'on a tout looté. On est bon. On fait grimpette. Je pense aussi. Allez. Allez, let's go. Faisons grimpette. Et je pense qu'on va pas tarder à mettre fin à l'épisode, du coup. Ok. Alors, on est déjà 1h11 de tournage, donc ça passe vite. Hein. J'ai rien vu passer, alors. Ça passe vite. Ah non, mais l'épisode, il est excellent. J'espère que ça sera la même pour nos chers... amis spectateurs. Abonnés. Ah, j'aime pas ça. La glace, la glace. Ah, je me retrouve de l'autre côté. Pourquoi ? J'ai été jeté de ton côté. Ah, je me retrouve rejeté de l'autre côté. Au secours. Tout va bien ? Je te vois figé. Et hop, je te revois rebalancer de l'autre côté. Ah, allez. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Ah bah. Ah, ouais, Ellie. Ok. Ma chérie, je t'aime. Là, elle te pousse. C'est ça. Reprends-toi. T'as fait de ton mieux, Isaac. Tu as fait tout ton possible. Non, c'est faux. J'ai merdé, Ellie. Je suis désolé. Ça doit être ici. Ah, le casseur d'ambiance. Mais comment est-ce qu'on va trouver Rosetta ? C'est ça. Elle devait bien avoir un labo. Il faut chercher son bureau, ses dossiers, tout ce qui porterait son nom. Par là, on rejoint l'entrée. Venez. On allait s'embrasser. Casseur d'ambiance. Bon, je veux rien dire quand même. Elle est rapide, la meuf, hein, parce que son mec vient de mourir. Elle est, hein, elle était déjà en train d'embrasser son ex. Le genre qui passe d'un fruit à l'autre, quoi. C'est ça. Sauvegarde de la progression. Trouver Rosetta. Yes. Et on va s'arrêter là, du coup, les amis, parce que bah, je trouve qu'on a un bon épisode. Pour la fin, je trouve que cette petite scène cinématique est parfaite. Et pour la reprise, en plus, ça sera parfait aussi. Tout à fait. Bah, tu sais quoi, on va se mettre... On va se mettre... C'est l'épisode 14, en plus. On commence un épisode. L'équilibre de l'univers, site de recherche. Voilà, mettons-nous ici. Non, de l'autre côté, ouais, parfait. Voilà. Bah, du coup, les amis... C'est la fin de cet épisode de Dead Space 3, l'épisode 9, si je ne m'abuse, parce que j'aime bien m'abuser. Attends, et pourquoi moi je suis couvert de neige et pas toi, ça va, oui? Parce que moi j'ai une femme qui m'a frotté, réchauffé, et donc du coup, j'ai plus de neige sur moi. Ouais. Du coup les amis, on espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, comme vous avez pu voir, nous on s'est beaucoup amusé hein, entre plusieurs combats de boss hein, au final hein, un au début et un à la fin, des combats, des blagues sur la CAF totalement nulles, mais moi qui m'a bien fait marrer. Tout à fait. CAF Camping. Alors rappelez-vous hein, on est sponsorisé par la CAF hein, donc avec le code TheMacGamingShow CAF vous avez le droit donc à une CMU, à une toile de tente pour cet été et un emplacement. Mon dieu mes aïeux. Avec le fameux code TheMacGamingShow CAF. Allez tu sors, ça suffit. Elle était excellente franchement. Merci pour merci de m'avoir tendu cette blague avec la CAF parce que là du coup j'ai pu rebondir dessus. Du coup les amis, bah écoutez, on n'a pas plus à dire, un petit message pour la femme avant. Bah oui, tout à fait, c'est un pour nous personnellement un très, enfin pour moi personnellement un très très bon épisode bien mouvementé et j'espère que bah il vous éclatera autant qu'on s'est éclaté quoi, voilà. Et sur ce, je vous fais le plat de gros bisous et surtout bah passez un très bon week-end. Oui, c'est vrai, c'est un très bon week-end vu que cet épisode sortira vendredi si tout se passe bien. Puis voilà. Du coup les amis, on vous fait des gros bisous sur les 4 joues. Ouais, les 4 joues. Tout à fait. On vous souhaite un extrêmement merveilleux week-end. C'était pour vous dire. Il est temps que lui il y aille au week-end. Un extrêmement merveilleux week-end. C'est, voilà, c'est pour vous dire que vous passez. Voilà, faites au mieux pour passer le meilleur week-end de votre vie. Seul ou accompagné bah, de votre compagne ou de votre compagnon, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ou de vos amis. Ou votre chien. Hein? Ou votre chien. Aussi, hein, ça marche. Hein, ou tout simplement, une bonne pizza et un bon épisode sur YouTube, Netflix, Prime Video, tout ce que vous voulez. Ou tout simplement votre streamer préféré. Ou une bonne partie, tout simplement, regardez, de Phantom Liberty qui est sorti mardi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et votre chien. Et votre chien, voilà. Allez les amis. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites toujours attention à vous, c'est toujours le plus important. Allez, bye. Bye bye, bisous. Et encore bon week-end à vous. La même.